Bonjour maman, bonjour les Bruxellois, bonjour les apéros urbains. Alors pour cette quatrième date, on se retrouve au cinquantenaire avec tout un programme, mais le mot d'ordre reste farniente. Ça, c'est une star. Regarde, c'est tout Cannes. C'est les marches à Cannes. C'est une future star. Top là. On va faire tester le grand dos et deviner les ingrédients. Est-ce qu'on peut vous offrir un verre? Non. J'ai plus soif, j'ai pas envie. Eh ben, servez-vous. Et voilà. Alors, le petit jeu, il va falloir deviner ce qu'il y a dedans. Jus d'orange, oui. Grenadine. Non? Non, c'est pas bon. Jus d'orange. Jus de citron, oui. Continuez. Yeah. L'alcool, c'est marqué dessus. Regardez. Yeah. Oui, parfait. Yeah. Génial. On continue. Il reste 10 secondes. Allez, encore deux ingrédients. Il y a encore deux ingrédients. Au niveau de la texture, ça pétille un peu. Il y a quoi? Il y a... Oui, bravo. Génial. C'est génial. Et alors, le sucre, c'est avec quoi? C'est du sucre de. C'est génial, je vous laisse le verre. Merci. Vous êtes formidable. Une bonne soirée. Merci. Bon ça. Tu t'appelles comment? Pétronier. C'est pas grave. Et non, il faut faire un hommage à Michael Jackson. Hein. C'est aujourd'hui l'anniversaire de sa mort. Il y a tout le monde qui oublie. Excellente soirée. La bonne soirée, j'espère où vous êtes, que vous allez passer une aussi bonne soirée que nous ici. Il fait bon, il y a du soleil, enfin il y avait du soleil, il y a des herbes, il y a une bonne ambiance, des apéros urbains quoi. Classique, toujours aussi bien. Soirée. Bonne soirée! Ça se passe trop bien, hein. C'est vraiment la fête, tout le monde est détendu, il fait bon, il fait chaud, c'est le bonheur total. Que tout le monde en prenne beaucoup de plaisir. Ciao, ciao! Cédric, comment ça se passe au niveau des apéros pour toi? Ouais, écoute, c'est super. Écoute, chaque semaine, on se régale tous les vendredis, un endroit différent. Ah, tu viens tous les vendredis? Tous les vendredis. Depuis 6 ans? Depuis 6 ans. Depuis 6 ans. Alors, une des grandes nouveautés au niveau des apéros urbains 2010, c'est que cette année, il y a un stand de l'aise. Alors, Johan, est-ce que tu pourrais nous parler du stand de l'aise, s'il te plaît? Mais écoute, mon cher Thomas, je suis très heureuse de te parler de ce stand de l'aise. Parce que pourquoi? Imagine que tu donnes rencard à une fille aux apéros urbains. Tu lui dis, on se donne rendez-vous après le boulot, on arrive, on danse, on est chaud. Tout d'un coup, baisse de tense, tu as faim, tu n'as pas encore mangé, tu n'as plus d'argent. C'est là que nous intervenons, nous, le stand de l'aise. En plus du cadeau qui sont autres que des fromages et des olives, nous offrons aussi une partie de baby foot. Rien de tel que pour charmer ces dames autour d'un petit jeu de football. Nous vendons aussi des bouteilles à 15 euros. Si tu veux emballer une gonce, ben, tu la ramènes chez moi, quoi. Bonjour, moi c'est Thomas, tu t'appelles comment? Christine du Bal Moderne, bonjour. Donc c'est toi qui t'occupes du Bal Moderne? En partie, avec une grande équipe de danseurs professionnels. Et c'est quoi un Bal Moderne? Alors, le concept est très simple, une danse très courte, 3 minutes, qu'on décompose et qu'on enseigne au grand public. C'est pour tout le monde, il ne faut pas savoir danser. L'idée, c'est le plaisir de danser ensemble. D'accord, donc moi qui suis nul, je peux très bien y participer, quoi. Tout à fait, mais je t'ai vu, tu n'es pas nul du tout. Et tu t'es bien amusé. Oui, très bien, je me suis très bien amusé. Eh bien oui, monsieur. Pour la fin des apéros urbains, au cinquantenaire, c'est Gaëlle qui va faire la conclusion. Alors c'était tellement bien cette semaine, si vous venez tous la semaine prochaine à la place Guy d'Arezzo, ça va être juste top quoi. Comme la semaine derrière, celle d'avant, c'est juste génial. À partir de quelle heure? 17h30, wouhou. Wouhou.
Les apéros. Les muscles. Brussels rocks, les gars. Belgium rocks. Toujours, les gars. Yeah, always. Always.